Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo assez spéciale. Je vais vous faire une petite compile de toute ma période cosplay avec les shoots photos, les shoots vidéo, un peu de tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai sous la main. C'est une petite vidéo que je tenais à faire parce que en fait, le cosplay m'a quand même bien aidé dans la vie. Tout d'abord, il m'a permis d'évacuer. Quand je dis évacuer, c'est que quand tu es en convention en cosplay, eh bien tu ne penses à rien d'autre et tu es dans ta petite bulle. C'est vraiment une sensation de bien-être et ça c'est vraiment bon pour la santé. Bon, je vais pas te mentir qu'après les conventions, tu as l'effet coup de blues, un peu nostalgie qui s'installe en toi, mais bon, t'inquiète pas, ça dure quelques jours et tu te dis, il y aura une prochaine convention. Le cosplay m'a également appris, en plus de mon travail, à être plus manuel, à être plus créatif. Je fais plus de choses moi-même, je bricole moi-même maintenant, alors qu'avant le cosplay et avant mon taf, bah, c'était pas du tout le cas, j'étais pas du tout manuel. Et enfin, le cosplay m'a surtout permis de me décoincer et de retirer ma timidité. Quand tu montes sur une scène cosplay devant des centaines de personnes, bah crois-moi mon gars, ça fait un bien fou et ça te fait prendre confiance en toi. Et c'est vraiment un très bon point pour retirer la timidité et d'avoir une vraie confiance en soi parce que tu te sens bien dans tes costumes, t'es fier de ce que tu portes. Donc voilà, c'est vraiment un point que j'ai pour moi qui a été développé lorsque je pratiquais le cosplay. J'ai depuis plusieurs années stoppé, dû à l'arrivée de mon petit garçon, mais après l'arrivée de mon deuxième enfant qui est prévu pour octobre, et lorsque bien sûr mes travaux d'extension seront terminés, ça c'est une autre histoire, ben je compte replonger dans ce monde qui en fin de compte me manque vraiment beaucoup. Voilà, c'était ma petite intro raconte ma life, avant de vous laisser avec mon petit montage et tous mes souvenirs. Toutes les sources des vidéos qui seront dans le montage seront en description. Et puis je vous dis merci de m'avoir écouté et bon visionnage. Bisous.